Salut YouTube, j'espère que ça va. On va regarder un court métrage par le studio d'animation Aardman. Si vous connaissez pas, c'est ceux qui ont fait ça. Voilà, c'est Gromit qui ont fait aussi Chicken Run et Shaun le Mouton. Voilà, je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Je détestais ça. Désolé pour un petit temps d'inactivité, j'ai loupé mon train aussi. Excusez-moi, je l'ai pas dit. Mais je détestais ce genre de film. Vraiment, ça m'était mal à l'aise. Je trouvais ça creepy. Et aujourd'hui, on va regarder un de leurs films que très peu de personnes ont vu et qui est vraiment bizarre. La petite fille, il y a une calvasse. Attendez, je vous montre ça. C'est ça. On va regarder ça. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle Jamais sans mon sac à main. C'est presque un lost media que certains ont. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Jamais sans mon sac à main. Qu'est-ce qu'elle a? Déjà, ça me met pas bien. Pourquoi déjà? C'est comme ça. Oh, tu parles à qui déjà? C'est ta mère, ta grand-mère? Pourquoi tu lui parles comme ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu une lettre. Tati, Tati. Ah, c'est ça, Tati. Elle est morte, ta Tati, là. Je dois croire que c'est un personnage vivant, ça. Y a que son crâne. Elle marche comme des gens à la salle de sport. Tati! Tati, la lettre. Tati, excuse-moi, j'arrive pas à passer. Tati, tiens, t'es mal à la lettre. Y a un truc bizarre là sur la lettre. Je sais pas ce que c'est. Prends la lettre, Tati, là, s'il te plaît. Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas réglé la dernière échéance pour votre machine à laver. Nous sommes donc dans l'obligation de prendre les mesures prévues dans votre contrat. Oh là, Tati, elle fraude là. Ça paye pas ses factures. Ça paye pas sa machine. Explique-toi là, Tati, s'il te plaît. Vous venez de faire l'acquisition, blablabla. Tout... Ça jamais. Vous pouvez faire acquisition, blablabla. Tout à fait extraordinaire, blablabla. Une machine à laver d'exception, incroyable, heureuse femme. Oh, les petits caractères totalement illisibles. Oh, comme c'est embêtant. En cas de non-paiement des mensualités, le contractant ira au diable sans notification préalable. Oh allez, ça y est. Le thème principal, c'est la mort. Il est diable du coup. Oh, elle a accepté sa sentence sans broncher, la Tati. Ah, je vais mourir. Oh, mais salut. Salut, la team. Salut, équipe. Salut. Prends mon sac. C'était un plaisir, à la prochaine. Allez, bisous. Oh, prenez soin de vous, hein. J'en ai enfer, salut. Allez, amusez-vous bien. Non, ça va, ça casse pas. Donc, il y avait des gens qui regardaient ça, des enfants qui regardaient ça. C'était sur une cassette avec plusieurs mini-films. Allô, je suis bien chez Dante Omatic. Mais certainement, que puis-je faire pour vous? Le diable, c'est dur, ça. C'est l'URSSAF, voilà, c'est quand on appelle l'URSSAF, on atterrit ici. Si on paye pas, c'est fini pour nous. Désolé, je ne peux absolument plus rien faire pour vous. Notre représentant est déjà en route. Ça, pour moi, à 8 ans, c'est un screamer. Ça, je me chie dessus si je vois ça quand je suis petit. Les enfants, c'est pour les enfants là. Petit Valentin qui regarde ça là, qui a 8 ans là. Il voit une tantine là mourir là comme ça, un seul coup, terminé. Allez, elle arrive maintenant bien sûr. Non. Tati. Non Tati, oh elle avait une bouche. Qu'est-ce qui se passe? Oh nickel le corps. Faut faire disparaître le corps de Tati. Ici repose ma tante bien-aimée. Elle a enterré. Bon, ben j'irai pas faire du babysitting pour elle, hein. Parce que là, y a beaucoup de morts. C'est toute ta famille, là, ici? T'es la seule? T'es la dernière? La tantine, elle tombe toujours, là? Allons bon, je suis sûre d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi, au juste? Le sac à main! Je viens de comprendre! Je suis trop con! Si ça pouvait me revenir... Tata, le sac à main! Ça y est. La petite, elle s'en contrefou. Elle se pose pas de questions, elle se dit pas pourquoi ma tante est morte alors qu'elle a signé un contrat pour une machine à laver. Et après, tranquille, c'est sur Gulli. Elle perd pas de temps. Directement, ça regarde Gulli. Elle regarde mes vidéos tranquille. Le père normal. Il y a des bruits. Pourquoi c'est là? Ah, c'est parti.
qui est là, non? Coucou, c'est moi. C'est totalement nous. C'est normal, Tata. Oh, oh, tu débarques pas comme ça, cassant la porte. Ta nièce est toute seule. Elle est là toute seule dans cette grande maison en pleine nuit. Toi, t'arrives comment? Coucou. Ça va? T'as bien dormi ou pas? C'est pas comme ça qu'il faut faire, Tata. Vas-y, enfuis-toi. Plus lent la prochaine fois, s'il te plaît. Il est bas de long, le cri. Non, la fuite aussi est bas de long. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. J'ai été en enfer. Qu'est-ce que cherche à chercher le flingue? J'ai oublié de prendre mon sac. Mais Tati, tu es morte et enterrée depuis bientôt 6 mois. 6 mois? Ma tante est une zombie de l'enfer. Nickel. Trop content. 6 mois qu'elle vit toute seule aussi. Ça aussi, il y a un problème, non? Et le temps qu'il y a la télé qui marche et une machine à laver, ok, c'est bon, c'est ok. Et reste là, la grand-mère, tu veux pas te casser la vite fait, t'es morte. Tu empestes toute la maison. Prends ton sac à main et casse-toi. Encore? Encore? Oh, tu peux arrêter 2 secondes, non? C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez essayé de représenter là? C'est une souris, ça? Mais c'est triste! C'est triste, je chialais là-haut! Mais oui, normal, ça traumatise un gosse! Il a bouffé la souris, il y a eu le bruit de l'écrasement, comme ça! Mais je suis traumatisé là-haut! Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là? Chef, doucement, non? Elle t'a posé une question! Du calme! On est quoi, en Amérique ici? Comment ça? C'est quoi un putain de kilomètre? Comment ça? Moi je suis en train de manger dans ton frigo, y'a rien qui me dérange! Vas-y, qu'est-ce qui se passe? On est en Amérique ici! Voilà, c'est bon, j'ai refait la vanne. Ici on recycle. Est-ce que quelqu'un sait où j'ai laissé mon sac? Le sac à main plus bon miam miam. J'ai une idée. Bon miam miam. Tu vas pas grailler ta tante, j'espère. Bon, j'en ai rien à foutre. Moi, je me casse. Salut. C'est bon. Comment ça? Il y a des squelettes et il y a des sacs à main qui veulent bouffer ma grand-mère. Je sais pas. Ouais, la thune, aucune idée. C'est bonne idée. Eh, fais quoi là? Pourquoi ça a disparu? Est-ce que je peux vous offrir une bonne tasse de thé? Et une petite part de gâteau à la crème, monsieur sac à main? Non, casse-toi. Ok, intelligente la petite. Vous aimez l'ASMR ou pas? Vous êtes apaisé ou pas avec cette ASMR? Allez, c'est cadeau, c'est pour vous, écoutez bien là. Je déteste ça en plus. Oh là. Il va chier le sac à main, quoi. Il va les chier vraiment? Je dis ça pour la vanne, les scénaristes, hein. M'écoutez pas, s'il vous plaît. Ça va exploser, ça va finir comme ça, vraiment. Est-ce qu'il a eu des dégâts, c'est pour ça? N'oublie jamais de lire ce qui est écrit en petit caractère avant d'acheter quoi que ce soit. Et voilà, garde la morale de l'histoire, les enfants, c'est très important. Des petits caractères à chaque fois. Il faut tout lire, sinon vous allez finir aux enfers. C'est marqué, c'est prouvé. Vous allez finir comme elle, en squelette. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Elle s'en fout complètement. T'as fini sur ça? Nickel. Bah, c'était un très bon film. Ça a dû traumatiser énormément d'enfants. Mais c'était très intéressant de voir ça. Bien gay, exactement. Mais moi, j'adore ça. Merci beaucoup à toutes ces personnes d'avoir fait ça. Bon, petit bonus. C'était juste après dans le film. Un truc s'appelle Pib et Plot. Je sais pas ce que c'est. C'est bonus pour vous, c'est cadeau. Salut, Pib. C'est tout aussi creepy, là. Arrêtez de regarder comme ça, les gars. Salut, Pog. Ils veulent me buter, c'est sûr et certain, ils veulent me tuer. Là, c'est vos terreurs nocturnes, là. Vos démons, là, qui viennent de la nuit, là. Non, non, c'est pas M&M's. Ça, c'est ceux qui ont été virés de chez M&M's. C'est ceux qui sont poursuivis par le FBI. Mais où étiez-vous donc? En zonzon, il a dit. Tu étais à la plage, Pog? Et qu'as-tu fait à la plage?
Oh, tu as trouvé un coquillage. Waouh. Quel petit capricieux. C'est vrai, regardez, il a trois cheveux. C'est totalement vrai, merci pour la précision. J'ai l'impression que Pig et Pog ont un léger différent. Qu'y a-t-il, Pip? Tu ne peux plus respirer? Oh, voyons, arrête de faire le clown. Tu peux plus respirer? T'as ta tête dans un sac plastique? Mince, Pog! Oh là là! Allez, les enfants! On lui dit de retirer le sac. Pog, respire, allez! Oh, tu t'es trouvé un super look, là! Pourquoi s'en va-t-il? Voilà Pip qui revient. Pig! Oh, doucement, doucement! Arrête! Pig! Non, non, viens pas aux arbres, c'est bon! On a rien dit! American Pig, arrête! Méfie-toi, Pog! Ça, c'est mon Amérique, ça! J'adore les flingues! Merci, Pig! On tombe dessus. Maintenant, c'est Pog qui veut regarder. Le seau était rempli d'acide sulfurique. C'est trop drôle. Il y a ses yeux qui ont fondu. C'est drôle, les enfants, non? On s'amuse pas ici. Ses yeux ont fondu. Il est en train de souffrir. Il va souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Breaking Bad. C'est les origines de Breaking Bad. Je jure, hein, le gars, avant d'écrire Breaking Bad, il a regardé ça. C'est pour les enfants qui ont des problèmes dans leur tête. Oh, mon préféré, c'est Pib. Voilà, c'est bon, je rentre dans le truc. J'adore parce qu'il y a des flingues. Au revoir, Pib. Allez, au revoir. Cassez-vous, là. Au revoir, c'est bon, c'est fini. Pog. Allez, en zonzon, là, s'il vous plaît. Faites-vous arrêter. Et coupez. Ouf. Dieu, quel corvée. Sans vouloir en ça, rajouter, partenaire, j'ai comme un malaise dans le croupion. Ça veut dire quoi, cette phrase, Pib? Pib, non! Comment ça? Mon ref, c'est faux. Allez, réveille-toi, Pib, s'il te plaît. Pourquoi t'es plus là? Pib, c'était une blague. Reviens, normalement, tu reviens et tout. Tout va bien, non? Pib. Pib. Pib, putain. Nul à chier, ce passage. Pourquoi toi? Titan, je suis parti trop tôt. On aimait tellement Pib. Tu vas nous manquer. De temps en temps, je t'appelais Pig, je suis désolé. T'es si beau. Voilà, on finit sous une touche comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a vu les Lost Media des studios Hardman de Wallace et Gromit. Très peu de personnes ont vu ça. Si vous l'avez vu, félicitations, vous êtes toujours en vie aujourd'hui. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de lire les conditions générales. S'il vous plaît, c'est très important. Sinon, c'est ciao. Allez, merci. Barrez-vous. Pib, putain.